Donc, peut-être que vous écoutez ces vidéos, vous dites, mais ouais, mais c'est trop compliqué pour moi, je comprends pas forcément. Mais vous inquiétez pas, c'est la répétition. Et puis, voilà, quand on parle tout simplement d'apport, de financement, etc., c'est pas aussi compliqué que ça quand on sait ben, c'est quoi un financement, c'est quand on finance quelque chose, c'est quand, eh bien, on va mettre de l'argent pour acheter cette chose. On va emprunter de l'argent pour acheter cette chose. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, quelques mots des fois sont compliqués, mais il vous suffit juste de répéter pour comprendre. Donc là, votre client vous dit, je ne suis pas le prendre la décision. C'est-à-dire, c'est pas moi qui va prendre la décision, c'est pas moi qui va prendre la décision, et c'est pas moi qui va prendre la décision. Quand vous allez répondre, vous allez répondre comme ça. Je comprends, monsieur. Et qui, eh bien, prendrait ou qui serait impliqué dans la décision à part vous-même? Hard question, hein, n'est-ce pas? Hard question. À part vous-même, qui serait impliqué dans la décision?